Hello everyone, bonjour tout le monde. Ce matin, je veux d'abord faire le point sur la demande d'aide qu'on a reçue du gouvernement du Québec mercredi soir et vous faire part des dernières nouvelles concernant l'approvisionnement en équipement médical. Le ministre de la Sécurité publique a travaillé avec Québec et le ministre de la Défense nationale et je peux maintenant confirmer qu'environ 125 membres des Forces armées canadiennes qui possèdent une formation dans le domaine de la santé iront prêter main forte aux travailleurs dans les CHSLD. On continue de travailler avec le gouvernement du Québec pour trouver d'autres façons de les appuyer, y compris avec la Croix-Rouge et les bénévoles spécialisés inscrits auprès de Santé Canada. Pour ce qui est de l'approvisionnement en équipement médical, Bell Canada a fait un don d'1,5 million de masques N95 et on travaille le plus rapidement possible pour les acheminer à nos travailleurs de première ligne. Ça s'ajoute aux millions de masques chirurgicaux qu'on a envoyés aux provinces et aux territoires cette semaine. Over the past few weeks, the pandemic has created anxiety and uncertainty for all Canadians, but some are going through an especially tough time. COVID-19 has brought many industries to a halt, and workers across the country are struggling as a result. From the start, our goal as a government has been clear: to help all Canadians get through these challenging times. As I've said many times before, we're here to support you, to lend you a helping hand when you need it most. Across the country, Canadians are standing shoulder to shoulder, and we're all in this together. Today, our government is announcing more help for workers in Alberta, Saskatchewan, BC, and Newfoundland and Labrador. We're also announcing more help for small businesses and more help for those who work in the arts, culture, and sports sectors. I'll start with the energy sector. Right now, workers and families are struggling because of things beyond their control. Both the devastating effects of the pandemic and the price war driven by foreign interests are a challenge. As a result, companies have had to slow down or pause their operations, leaving too many people out of work. To help these workers, our government will invest $1.7 billion to clean up orphan and inactive wells in Alberta, Saskatchewan, and BC. These wells, which are no longer in use, can be detrimental not only to our environment, but to people's health. Think of the farmer who can't grow anything on his land because of an abandoned well a few steps away from his home. Think of the small town or Indigenous community struggling with this issue that has been festering for years or even decades. Cleaning them up will bring people back to work and help many landowners who've had these wells on their property for years but haven't been able to get them taken care of and the land restored. Our goal is to create immediate jobs in these provinces while helping companies avoid bankruptcy and supporting our environmental targets. In Alberta alone, these investments will maintain 5,200 jobs. We've listened to the concerns of landowners, municipalities, and Indigenous communities who want to make sure that the polluter pay principle is strengthened and that their voices are heard. I want to thank the government of Alberta for working with us and listening to their concerns. Our government will also establish a $750 million emission reduction fund with a focus on methane to create and maintain jobs through pollution reduction efforts. This includes $75 million to help the offshore industry cut emissions in Newfoundland and Labrador. This fund will primarily provide repayable contributions to firms to make them more competitive, reduce waste and pollution, and most importantly, protect jobs. Right now, many energy firms are experiencing a cash crunch, so they don't have the funds to invest in technologies to reduce emissions or fix methane leaks. Today's announcement will allow for this kind of work to be done and create jobs people need during this difficult time. Through the wells and methane initiatives, we estimate that we will maintain roughly 10,000 jobs across the country. Just because we're in a health crisis doesn't mean we can neglect the environmental crisis.
We're also working with BDC and EDC to expand credit support for at-risk medium-sized energy companies so they can maintain operations and keep their employees. Notre gouvernement va investir 1,7 milliard de dollars pour nettoyer les puits orphelins et abandonnés en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Le but, c'est de créer des emplois pour les travailleurs du secteur énergétique, éviter que les entreprises fassent faillite et appuyer nos cibles en matière d'environnement. Ces puits, qui ne sont plus utilisés pour produire du pétrole, peuvent présenter des risques non seulement pour notre environnement, mais pour notre santé. En les nettoyant, on va créer des emplois pour les travailleurs. On va aussi aider les gens qui ont ces puits désuets sur leur terrain depuis des années, mais qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. On prévoit que ces fonds vont maintenir près de 5 200 emplois en Alberta seulement. On a élaboré cette politique avec le gouvernement de l'Alberta et les partenaires municipaux, et je veux les remercier pour leur contribution. Notre gouvernement va aussi mettre sur pied un fonds de 750 millions de dollars de réduction des émissions qui va mettre l'accent sur la pollution causée par le méthane pour créer et maintenir des emplois. De cette somme, 75 millions de dollars seront alloués aux entreprises pétrolières et gazières au large de Terre-Neuve et Labrador pour réduire leurs émissions. Ce fonds versera majoritairement des contributions remboursables aux compagnies pour protéger les emplois, augmenter la compétitivité et réduire la pollution. En ce moment, les entreprises du secteur de l'énergie ont des problèmes de liquidité, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas les fonds nécessaires pour investir dans les technologies qui aident à réduire les émissions ou à réparer les fuites de méthane. L'annonce d'aujourd'hui va permettre aux entreprises de réaliser ces travaux tout en créant des emplois pour les travailleurs durant cette période difficile. Cette crise de santé publique ne doit pas nous empêcher d'agir pour contrer la crise climatique en même temps. Avec l'initiative pour nettoyer les puits et ce fonds pour réduire les émissions, on estime qu'environ 10 000 emplois seront maintenus. En même temps, on travaille aussi avec la BDC et EDC pour renforcer le soutien au crédit pour les entreprises énergétiques de taille moyenne qui sont particulièrement à risque. Encore une fois, l'objectif, c'est de permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités pour garder leurs employés. Now, I want to turn to what we're going to do next for small businesses and the people they employ. Over the past few weeks, we've taken a number of steps to support these employers and mostly their employees. We introduced the Canada Emergency Wage Subsidy to help keep people on the payroll. We launched and expanded the Canada Emergency Business Account for those businesses struggling with cash flow. But Ministers Joly, Ng, Baines, and others have heard that some businesses are still falling through the cracks. To fix that, our government will provide $962 million to regional development agencies and the Community Futures Network. This funding will help ensure that more businesses, especially smaller employees based in more rural parts of the country, or those who don't have a relationship with a traditional financial institution, are getting the support that they need. We're also going to give $270 million to Futurepreneur and the Industrial Research Assistance Program to support innovators and other early-stage development firms that don't qualify for the wage subsidy but still need help. Pour ce qui est des petites entreprises, on annonce aujourd'hui deux autres investissements. D'abord, notre gouvernement versera 962 millions de dollars aux agences de développement régional et aux réseaux de développement des collectivités. C'est de l'argent qui va permettre d'offrir l'aide nécessaire aux petites entreprises qui ne se qualifient pas pour la subvention salariale d'urgence ou pour obtenir un prêt grâce au compte d'urgence pour les entreprises. Ensuite, notre gouvernement allouera 270 millions de dollars à Futurepreneur et au programme d'aide pour la recherche industrielle pour appuyer les innovateurs et d'autres entreprises en démarrage qui ne sont pas admissibles à la subvention salariale. Nous avons aussi des nouvelles pour ceux qui œuvrent dans le secteur des arts, de la culture et du sport.
Ce sont des industries qui, un peu comme les petites entreprises que je viens de décrire, ne peuvent souvent pas toucher l'aide qu'on a annoncée jusqu'à maintenant parce que les modèles de revenus sont différents ou les entreprises n'opèrent pas de la même façon. Depuis le début de cette crise, les artistes apportent du réconfort, du rire et du bonheur dans nos vies. De leur côté, les athlètes continuent à nous inspirer, à nous encourager et à faire notre fierté. Ceux qui travaillent dans les secteurs des arts, de la culture et du sport nous font vivre leur passion et nous font rêver. Et ces jours-ci, alors qu'on est tous chez nous et qu'on s'isole, ils nous font sentir un peu moins seuls. Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles on doit être là pour eux comme ils sont là pour nous. Notre gouvernement va donc verser 500 millions de dollars à Patrimoine Canada pour appuyer nos artistes, nos créateurs et nos étoiles montantes du sport, entre autres. Grâce à ces fonds, ces gens pourront recevoir un soutien salarial et les organisations auront accès à du financement si elles ont des problèmes de liquidité. Our government will give $500 million to Heritage Canada to support those who work in the arts, culture, and sports sectors. Like the small businesses I was talking about, people and businesses in these sectors do not have access to some of the help we've announced because of how the companies operate or how revenues are generated. With this investment, people will be able to receive wage support, and organizations that are struggling with cash flow will be able to access financing. At the same time, we continue to support those who've lost their jobs with the Canada Emergency Response Benefit. So far, over 7.5 million payments have been made. That's money sent directly to those who need it most. I want to again thank our amazing public servants who are processing these claims at record speeds. Moving forward, we will be releasing the latest figures on the CERB through the government's open data portal 3 times a week so academics, researchers, and Canadians can keep track of the work being done. We will continue to provide and open up data so that we can get the best advice from experts and continue to help Canadians. I want to end this morning by reminding everyone that today is the 38th anniversary of the Charter of Rights and Freedoms, which underpins who we are as a country and who we strive to be as a people. It protects the right of each and every one of us to be who we are, to worship how we want, to love whom we love. At the heart of the Charter is the notion of choice, that we can choose the kind of life we want for ourselves. As our country confronts this pandemic, I'm especially grateful that Canadians have chosen to protect each other and care for one another. To everyone who has stayed home and followed public health recommendations, thank you. Making that choice together today will ensure that we remain who we are as Canadians for generations to come. Merci beaucoup tout le monde.